L'ange Dieu est près de toi. L'ange Dieu partout t'accompagne. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? L'ange Dieu chemine avec toi. L'ange Dieu est près de toi. L'ange Dieu partout t'accompagne. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? L'ange Dieu chemine. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme tu l'as vu, j'ai commencé encore avec l'invocation de nos saints anges gardiens. Ces amis-là que Dieu nous donne, ces amis que Dieu a envoyés devant nous. Et en ce matin, je te prie, Seigneur, d'envoyer encore ton ange gardien devant toutes ces personnes-là qui ne croient pas, devant toutes ces personnes-là qui ont encore peur, d'envoyer ton ange gardien devant toutes ces personnes-là qui craignent, qui doutent encore. Bien-aimé de Dieu, en ce matin, voilà ce que j'ai à te dire. Dieu est ton intime. Dieu est ton ami. Dieu est pour toi ce que personne d'autre ne peut être. Et pour cela, il t'envoie son ange gardien. Te dire tout simplement que chacun de nous a un ange gardien. Chacun de nous a un ami qui lui a été envoyé par notre Seigneur. L'ange gardien peut être une personne angélique, de manière physique, de manière humaine. Ça peut même être une personne qui t'est chère, que tu as perdu de vue, ou cette personne-là qui est proche de toi, qui est comme un ange pour toi, qui te protège, qui te garde. Cette personne-là qui te couvre de tout danger. Cette personne-là qui t'assiste en tout temps et en tout lieu. Mais ça peut être cet ange-là aussi, cet archange, ce séraphin que Dieu envoie devant toi pour te garder. Pour garder tes sentiers, pour tout simplement t'accompagner partout où foulent tes pieds. Et ce matin, je t'invite à vraiment inviter ton ange gardien. Fais l'expérience avec moi. Ferme les yeux et imagine-toi tenant la main de ton ange gardien en lui disant « Mon ami, mon ami, j'ai besoin de toi. Accompagne-moi, assiste-moi. Donne-moi d'être connecté au trône de Dieu. Donne-moi de pouvoir en tout temps être agréable aux yeux de Dieu. » Voilà l'expérience, l'exercice que je te donne en ce matin. Expérimente-le. Car ils sont réels. Ils sont réels. Ne soyons pas de ceux-là qui attristent nos anges gardiens. De ceux-là qui les attristent parce que nous les rejetons de par nos comportements. Parce que nous manquons
de consécration, parce que nous manquons d'humilité, parce que nous manquons d'obéissance, parce que nous sommes remplis de mensonges. Alors, bien-aimé de Dieu, demande à ton ange gardien de venir, car il est réel. L'ange de Dieu est près de toi. L'ange de Dieu partout t'accompagne. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? L'ange de Dieu chemine avec toi. L'ange de Dieu chemine. De toi. L'ange de Dieu partout t'accompagne. L'ange de Dieu veille sur tes sentiers. L'ange de Dieu veille sur tes allées et tes retours. L'ange de Dieu est tout près de toi. Alors mon frère, alors ma sœur, pourquoi devrais-tu avoir peur? Pourquoi devrais-tu douter? Pourquoi devrais-tu craindre? Quand Dieu lui-même t'envoie ses amis, quand Dieu lui-même t'envoie son ange te garder, te protéger, et de surcroît, un mois qui nous est favorable encore, le mois des anges, alors si tu n'as pas encore expérimenté, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Invite les anges gardiens afin qu'ils montent avec tes prières et tes supplications et redescendent avec les bénédictions. Redescendent avec ce qui réjouit le cœur de notre Seigneur. Expérimente-le, car ils sont près de toi. Alors mon ange gardien, merci pour ta présence en ce matin. Merci tout simplement d'avoir été là à mes côtés. Merci tout simplement pour ces cœurs que tu iras toucher de par la communication que tu feras avec l'ange gardien de tout un chacun de nous. Merci tout simplement. Merci tout simplement. Et je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.